Après 4 ans de silence, le Kima est de retour. Le groupe de politique électro-rap Tourangeau prépare son nouvel album « Crampe mentale » qui sortira en 2 épisodes, hémisphère gauche, hémisphère droit. 10 ans après sa création, le groupe reste fidèle à ses idées, autoproduction et engagement. Super court. 8 mesures. Ouais, voilà, un truc comme ça, ou 10 mesures, enfin, juste le temps. L'intro du sommort. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut la penser comme un morceau en soi, ouais, même s'il dure qu'une minute. Je pense qu'on est passé en 2001, 2000, quand on a commencé le Kima, à une politique qui était assez traditionnelle, on va dire, assez d'extrême gauche, assez anarch, tout ça. Et petit à petit, on se centre aussi, parce que ça m'intéresse aussi, que l'individu se remette aussi en question dans ce système-là, parce que justement, c'est un système. Et je pense que si, c'est pas qu'une question d'élus qui manipulent les gens, il y a de ça, évidemment. Mais il y a aussi, je pense, un gros boulot que le peuple peut faire. Il a une marge de liberté, à nous de l'utiliser ou pas, quoi. Et donc c'est plus ça, une espèce d'encouragement à utiliser individuellement une marge de liberté au-delà du bulletin de vote, tout genre de choses, quoi. Plus à des trucs un peu concrets aussi au boulot, notamment être capable d'envoyer chez son boss, enfin voilà, genre de choses, quoi. C'est plus ça notre part de politique. Ouais, ça va être plus être sur du quotidien, quoi, le fait d'être engagé politiquement, quoi. Sans aller tu vois, aux manifs, tout ça, c'est pas... Parce que comment on peut faire de la merde et puis le jour où il y a une manif, et y aller, quoi. Et après, ils vont dire, ouais, je suis engagé parce que je vais aux manifs. Non, c'est pas le jour J où il faut être engagé. Ça te tiendra toute ta... C'est ce qui va diriger ta vie. Ouais, faut que ce soit un truc qui coule, parce que le morceau, il va commencer avec toi. Et ça, en fait, en fondu, tu vois, un truc qui coule pas mal, quoi. Un truc qui découpe l'instru, je pense, quoi. Aujourd'hui, je vis dans une société où tout le monde critique Sarko, mais tout le monde rêve de la vie de Sarko, de son pognon, de sa meuf bonasse, voilà, c'est... Et quand je vois Marianne ou quoi, tous ces magazines-là qui font... Je me dis, mais limite, c'est des gens jaloux de ça, quoi, parce que c'est ça qu'ils voudraient, quoi. Moi, je rencontre aujourd'hui, dans le quotidien des gens, je rencontre peu de rebelles, au final. Je rencontre plein de gens qui parlent beaucoup. Mais après, quand je vais chez eux, j'ouvre un frigo ou quoi, enfin, je me dis, ouais, mais il y a un moment, faut... Enfin voilà, faut assumer, quoi. Je veux dire, faut assumer ce que tu racontes. Et je sais que c'est dur, je sais que c'est problématique, c'est t'emmener dans des itinéraires un peu compliqués, parce que oui, la société, elle aime bien qu'on soit tous pareils, donc il faudra apprendre à être un peu plus seul, ou des fois, dans les soirées, on ne parle pas trop, mais je veux dire, des convictions, ça s'assume. Avant de les demander, à Sarko d'épouser nos convictions, faut que nous, déjà, on les épouse, nos propres convictions, quoi. C'est nul. C'est nul. Ok. Peu importe d'où tu démarres. Ouais, peu importe. Ouais. C'est parti. Ouais. J. Au milieu, l'artiste muet. Moi, je sais où je vais. Pas à la pompe faire moncer. Pas vu pour danser. Des neurones à faire chauffer. Des rotules à échauffer. Plus rien à colmater. L'insouciance à trop durer. Je regarde en chien de faïence. L'industrie du disque. Coupable de trop de silence. Lisse, c'est leur musique. Ni Yannar, ni rouge et noir. Plus complexe qu'un indigné. Pas au service de la gloire. Mes rêves ne se comptent pas en billets. 15 ans de rap dans les. Quelques. Ah merde! 15 ans de rap dans les pattes. On va le refaire. Je laisse couler. Putain, c'est dommage, là, tu l'avais. Là. On est tous à un moment un pion, un maillon de la chaîne et la culture, elle échappe pas à ça. Alors le problème, c'est que souvent, la culture, elle croit qu'elle échappe à ça plus qu'un travailleur, un cuistot. Alors qu'en fait, c'est marrant, vu qu'on on fait des allers-retours entre un peu le milieu de la culture et puis un peu la vraie vie, voilà, dans des tafs à la con, moi je m'aperçois que le cuistot du coin, il est quand même, enfin il est plus franc avec sa propre vie, etc. La culture, elle a l'impression d'être justement tout sauf le bras armé, d'être un contre-pouvoir, alors que non, elle est le bras armé de l'État, elle épouse totalement l'État, elle est payée par l'État, elle est payée par un État aujourd'hui avec un gouvernement UMP, donc voilà, ils sont pas cons non plus, enfin c'est comme tout le monde, on va pas filer des thunes à quelqu'un qui va nous mettre une balle dans le pied, quoi. C'est le son des sarches. C'est le son des sacs. Ok, ok.
La musique tourne en rond. Le pays touche le fond. Dans tous les domaines, pour le moment, le silence, pour moi, c'est toujours une merde. Ouais, c'est toujours une erreur, quoi. C'est toujours une erreur. C'est... Et voilà, et quand on dit autre chose que le silence, c'est pas une tarte dans la gueule. Hein. C'est juste, non, les démos, parler, extérioriser, voilà. Exactement, le silence est toujours une putain d'erreur, quoi. Ouais, puis ça fait du bien de parler. Mm. C'est ma soupape à moi, quoi. Ça m'aide vachement, du moins moi, dans mon quotidien, de pouvoir avoir des propos comme ça. Dans un espace qui est le climat. Et puis après, le vivre après au quotidien, au travail, avec les gens. Mais. C'est un antidépresseur. Ouais, c'est ça, crampe mentale, quoi, antidépresseur. Non, mais c'est. Un petit climat, un cachet, quoi, comme tu veux un doliprane, non, prends un climat plutôt. Kaka, YMA, G, sponsor de la guérilla. Kima. Au milieu d'artistes muets, moi je sais où je vais. Pas à la pompe thermosée, pas venu pour danser. Des neurones à faire chauffer, des rotules à échauffer. Plus rien à colmater, l'insouciance à polluer. Je regarde en chien de faïence, l'industrie du disque. Coupable de trop de silence, lisse et leur musique. Ni anard, ni rouge et noir, plus de complexe qu'un indigné. Pas au service de la gloire, mes rêves ne se comptent pas en billets. 15 ans de rap dans les, et quelques scuds dans les. On a ambiancé du squat, et pourri quelques smacks. On a cramé de la guille, rappé dans la sauce. Une culture DIY, c'est le son, les salauds. Eh bien, ça allait ? Ah bah grave. Bon, grave. Maintenant, on va... En même temps, bon, maquette, hein, là, ça c'est nous, ça, à chaque fois on a l'impression qu'on fait le 10 maintenant. On a dit mon maquette. Cultures.